garde à Varl. La passerelle est à vous, pionnière. Jaal dit qu'Ephra attend votre appel, pionnière. Ouais, allez, j'y vais. Vous avez reçu un nouvel email. Aussi, des emails. Oh la vache, on en reçoit des trucs dans ce machin. Attends, terminal messagerie. J'ai regardé mon email d'abord. J'espère que c'est pas une arnaque au CPF ou que c'est pas une facture soi-disant impayée de Netflix alors que j'ai résilié mon abonnement il y a 3 ans. Des réfugiés Asari. Ryder me signale la présence de réfugiés Asari sur Eos. Elles ont survécu. Elles ont peut-être des infos sur leur arche aussi. Dites-moi quand vous avez une minute pour en discuter. Oui, on verra ça, ma chère. Et là, ici, du docteur Aridana. Bonjour Ryder, pardonnez mon intrusion. Je rencontre un problème que Sam et vous devriez pouvoir régler rapidement. Ça m'aiderait dans mon enquête sur le fléau. Nous pouvons en discuter au laboratoire du Nexus. Mes amitiés à vous et à Sam, docteur Aridana, astrophysicienne en chef, laboratoire technique du Nexus. D'accord. Tout ça, ce sont des quêtes secondaires. Hop, nous verrons ça un peu plus tard. Pour l'instant, on a une communication par en cible. Vous pouvez passer à l'infirmerie? Non, ben je passerai plus tard. C'est pareil, pour l'instant, on avance sur la quête principale. On verra la suite. Allez, hop, ça suffit. C'est bon, on y va, là? Bon, en avant, go. Oui, je voudrais être en communication avec Ephra de Terchav. Commandant. Pionnière. Jaal me tient informé de vos aventures et de vos bonnes actions en notre nom. Je suis sérieuse. Je veux vous montrer que vous pouvez me faire confiance. Vous vous êtes démené pour libérer cette équipe scientifique. Une preuve d'altruisme. Mais votre but est clair. Explorer le caveau d'Aya. D'après Jaal, vous voulez nous aider à retrouver la Moshae. Pourquoi je vous y autoriserai? Mais si je fais ce qu'il faut pour nous sauver tous Mon credo, c'est « je m'en occupe ». Audacieux. Un peu arrogant, comme moi. Mais je réserve mon jugement pour l'instant. On a retrouvé la trace de la Moshae dans un complexe spécial des cartes sur Völda. Pourquoi spécial? Ces complexes sont protégés par une technologie de bouclier dynamique qu'on n'arrive pas à neutraliser. On n'est pas loin, mais sa faculté d'adaptation est plus rapide que nos processeurs actuels. Pionnière, mon processeur permettrait d'accélérer considérablement leur programme. Ephra, je peux vous aider. Avec tout le respect que je vous dois, cette fois, vous avez besoin de mon aide. Avec tout le respect que je vous dois, les Angara n'ont pas besoin de vous. On s'en sort très bien tout seul. Ouais, mais mon petit doigt m'a glissé dans l'oreillette qu'on pouvait t'aider, là. Tu sais, sans déconner. Bon, écoute, oui, d'abord, alors, attends, parce que de toute façon, il était tu le bonhomme. Donc, on va y aller tranquille, on va y aller doucement, en mode diplomate. Oui, toutes mes excuses, vous n'avez pas besoin de nous. Mais quand vous allez savoir ce que je peux vous proposer, vous allez vous dire que moi, ça peut pas faire de mal, voyez? Ce que je voulais dire, c'est que nos scientifiques peuvent vous aider. Laissez-nous contribuer à vos efforts. Mettons toutes les chances de notre côté. Je vous fais une proposition que vous devriez accepter. Très bien. Je suis pas stupide et j'aime la Moshae. Je vous permets de participer à la mission. Merci. Une équipe vous retrouvera dans notre base sur Völda. Elle vous conduira au complexe des cartes. Gardez votre force et votre franchise. Au revoir. Ouais, à plus dans le bus. Bon, eh ben allons, c'est parti. Allons sauver la moche. Bonjour et bienvenue au Vieux Gamer, ici c'est Papy sur Mass Effect Andromeda. Ah oui, la planète Arpic VC devant nous. 30 crédits, si vous me les remboursez d'ici demain. Pas de soucis, merci Souvi. Un de ces jours, je découvrirai pourquoi vous êtes toujours à court de crédits. Il joue à un casino en ligne à mon avis. Certainement quelque chose comme ça. Nous sommes donc repartis sur la quête principale, toujours pour l'instant. Hop, le niveau de viabilité n'est qu'à 4%, c'est nul à chier. Et nous, où c'est qu'on doit aller? Nous, on doit aller récupérer la moche, sauf que je ne sais pas où est la moche.
La moche, elle n'est pas ici, il faut aller sur la base Kert. Alors, je ne sais pas à quel niveau se trouve la fameuse base Kert. C'est dans un autre système, je pense. Ce serait sur Völd. Visiblement, c'est sur Völd. Alors, allons sur Völd, les enfants. Go! La lueur d'espoir sur Völd. Ah, attends! On commence notre approche. Ah merde, j'avais pas. Attends, il y a une anomalie. Bon, tant pis. Bon, voilà. Ouvrez-vous bien, tout le monde. Moi, je reste bien au chaud dans le vaisseau. Voilà, c'est bon, vous inquiétez pas. Grâce à ça, je vais trouver l'endroit. Je vais faire poup poup. Bah, c'est pas grave, l'anomalie, on ira la chercher en repartant. Hein. Ou quoique, attendez. Non, parce que sinon, je vais oublier après. Je vais oublier, ça va être problématique. Oui, je sais qu'il y a une anomalie. Pip 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 pip. Je déploie la sonde. Allez. Sonde larguée. Astéroïde. Voilà, mais là je vais passer parce que là c'est bon là. Allez. S'il te plaît, le caillou on est dessus, c'est tout bon. Le gisement de cuivre, c'est pris, c'est bien. Et dans la vue du système, du coup, on retourne sur Völd. Allez, tu repars et là je vais faire passer. Hop. We are back les enfants. We are back et avec The Scanner, on peut aller se mettre là-bas directement, zone d'atterrissage de Völd, et on débarque. Oui, c'est parti. Allons sauver la moche. Alors, il y a eu du petit changement, les enfants, comme vous allez le découvrir. J'avais une arme, hein, c'était le Collision 1. Eh bien, sachez, les enfants, je vais... Alors, attendez, il y a des mods, d'abord. Je vais le retirer, tac, parce que je vais changer de fusil, figurez-vous. J'ai crafté un nouveau fusil qui est le Disciple 2, regardez-moi ça. Il est magnifique, il a une cadence de tir qui est identique à l'autre, mais il a un chargeur aussi gros. Mais alors par contre, en munitions max, on est bien mieux. On est nettement mieux avec un chargeur global de 47, c'est bien, précision bien meilleure aussi, il est un peu plus lourd. Donc on va le sélectionner. Tac, et on va y remettre le mode d'arme qu'on avait, qui est le chargeur, voilà, plus 47% de la réserve de munitions. Ça, là, on est bien. Là, on est au taquet. Et au niveau mods, je crois qu'on peut peut-être ajouter un deuxième truc sur la culasse qui va nous faire 38% de dégâts de perforation en plus. Et 0,46, alors ça, de distance de perforation, on s'en fout, c'est bien. L'essentiel, c'est qu'il est très bon. On va garder notre précurseur. J'ai pas touché au fusil d'assaut, mais pour l'instant, on est au fusil à pompe, et on est très bien. On avait l'armure intersidérale que je ne peux pas changer, toujours pas changer. Parce que j'ai l'armure, ça va avec l'armure intersidérale. Là, j'avais crafté des trucs, mais comme c'est l'armure intersidérale, à mon avis, cette armure, elle est complète, ce qui veut dire que je ne peux pas toucher aux jambières et aux armures. D'ailleurs, je viens de comprendre pourquoi. Avec un casque de charognard, c'est très moche, mais il est bien, le casque de charognard, et c'est finalement ça le plus important. Ok, les consommables, on s'en bat un peu les steaks, et on va repartir avec Drake et avec Cora, puisque comme ça, on a une biotique et un autre guerrier. On est très bien, c'est parti, mon kiki, allons. Attendez, il y a un truc sur le nomade. Bah oui, il y a une peinture, mais on reste sur la peinture qu'on a sélectionnée du roi Midas. Hein. Il y a la tabula rasa, ça c'est le modèle de base, mais non, on est bien. Alors qu'est-ce qu'il y a en armure encore que je peux... Ouais, je sais que j'ai des trucs nouveaux, mais... Ouais, c'est là, parce qu'on les voit pas, parce que je peux pas le changer, mais bref, c'est pas le souci. Et donc, nous, on est parti. Faites-nous descendre, Kalo. Cette planète, Habitat 6. Les relevés d'origine indiquaient une atmosphère respirable, riche en azote, et des océans d'eau. J'imagine que ce n'est plus le cas. Toute l'eau de l'Habitat 6, Völd pour les Angara, est sous forme de glace. Les océans ont complètement gelé. Pour la résidence en bord de mer, c'est raté. Par contre, les glaçons pour l'apéro, c'est bon, quoi. Ouais, le gros zizi va se poser.
Ah oui. Ce blizzard est sacrément violent. Ah, c'est un ouragan, là. La zone d'atterrissage est située sur la face de la montagne exposée au vent. Les conditions sont mauvaises. Je détecte des rafales de force 8. Carrément. Et on va quand même arriver à poser le bourrouche, tranquille. Ah, c'est bien. Oula, oula, ça tangue. Ah, c'est bon, il est posé. Moi, quand je me suis posé dans Star Citizen, la soute ouverte, ça a fait péter le vaisseau. Hein. Oh, putain. Ah ben, on n'est pas reparti, les enfants. Hein. Bon, bah là, ça veut dire tu t'allumes le caveau ou tu repars pas, quoi. Hein. Ok. C'est bon, tout va bien. Oui, j'aurais pas dit ça comme vous ça, mais... Pas besoin qu'on sorte pour pousser. Oh, très drôle, Ryder. Bah, je sais pas si c'est très drôle, mais j'ai pas envie qu'on ait des problèmes. Hein. Bon, mettez votre cache-nez, votre petite laine, sortez les moon boots. C'est chaud patate, système froid extrême. Ah ouais, là, la vie, elle va... Bon, il faut qu'on localise le commandant de la résistance. Putain, ça pèle. Ah oui, niveau... danger niveau 2, s'il te plaît. Hein. Ok. Ça remet pas le... Non, alors les fanaux, ça suffit pas. Alors, il va falloir se bouger. Ça, on traîne pas. Où est-ce qu'on doit rencontrer l'équipe de la résistance? Je vous ai envoyé les coordonnées. Ouais, je les ai. Pionnière. Et on traîne pas en route parce que ça pèle vraiment sec, hein. Ok, c'est par là. Ah! Du chauffage. Il faut que je me réchauffe 2 secondes. Ah, voilà, on se croit dans No Man's Sky, tiens, avec un petit peu de chauffage, c'est bien. Plus très loin. Pensez à aller voir le commandant Hanjik à votre arrivée. Ah, ils ont du métal souple, regarde ça, les lampadaires ils tanguent mais ils ne plient pas, on dirait des roseaux, sauf que c'est du métal. Je détecte une importante chute de la température. Ah bon? Vous êtes gentil? Ami ou ennemi? Oui merci, je sais, il est beau mon gros bourrouge. Hein. Je détecte une température normale. Oh, tu vas pas me la faire dès que j'arrive près du chauffage ou que j'en repars? Bonjour. Les températures sont négatives et continuent à chuter. Oh si, il va me la sortir à chaque fois, il est chiant. T'as eu l'autorisation de décoller? La température ambiante est normale. Continue à tirer sur tout ce qui bouge. Oh, tu vas être les pénible, Sam. De survie sont stables. Oh, tu vas être chiant, Sam. Oh, je sens que tu vas être chiant, Sam. Yo. Bonjour la résistance. Attends, pilote, pardon, t'es là. Coucou, Coco. C'est avec moi que tu vas aller chercher la moche. Coco. Voilà. C'est bien moi. Nous sommes l'équipe envoyée pour pénétrer dans le complexe avec vous et sauver la Moshaï si tout va bien. Je suis votre pilote. Le complexe Descartes est de l'autre côté de la planète. Prête à décoller? Ouais, on est parti, go. Pas de temps à perdre. Vous pourrez me briefer dans la navette. On n'a pas toute la journée. Tout le monde à bord. Bah oui, on lance la mission. Bien sûr qu'on lance la mission, tu crois quoi? Allez, et du coup, visiblement, je pense qu'on n'a pas le choix. Je pense qu'on va pas pouvoir changer. Eh oui, Jal, il est là. Et Jal, il reste là. Alors, est-ce qu'on garde Cora la biotique? Ou est-ce qu'on prend notre Krogan? Bon, on va garder Cora, hein, quand même, parce qu'un jour, elle va nous planter un couteau dans le dos, sinon. Hein. Allez, c'est parti. Donc... Personne n'est jamais entré dans un de ces endroits. Sérieusement. Personne n'en est jamais ressorti, plutôt. On appelle les prisonniers qui y sont conduits les disparus. C'est glauque. Personne n'a réussi à s'échapper. On a libéré des camps de travail, Kert, mais jamais ces complexes. On a perdu tellement d'hommes à essayer. C'était trop risqué. Ma théorie, c'est que les Kert renvoient les hangars à éminents dans leur secteur à partir d'ici. Pour s'en servir d'esclaves? J'imagine. Pire en fait. Plutôt mais bon. Mourir. Je vais pas vous spoiler. C'est ça. Ça, je m'en rappelle très bien. Bon, écoutez, de toute façon, tout espoir n'est pas perdu. Nous, on va y rentrer, puis on va en ressortir. Jal, on ne peut pas se laisser décourager. Il faut garder espoir. C'est pour ça qu'ils se battent. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on n'a pas hésité à rejoindre cette mission. Bon, on y est. Mais il va falloir qu'on se dépêche, parce que la tempête redouble. Une fois le bouclier traversé, vous passez devant et on cherche la Moshaï. On essaie tous de rester en vie, compris? On n'a pas rejoint la résistance pour être prudent, pionnière. Oui, enfin, on l'a pas rejointe non plus pour crever comme des débiles au premier assaut, mal conçu, mal préparé. Vous serez prêts à y aller.
Alors, voir à pas déconner, quand même. L'Arconte va faire la gueule, hein. Bon, eh ben écoutez... Est-ce qu'on a la moindre idée de ce qui nous attend? Du tout. Du tout. Voilà, ne vous éloignez pas. Et n'attirez pas l'attention pour l'instant. Ils s'attendront pas à ce qu'on désactive le champ. Ça peut nous donner un avantage. D'après ce qu'on sait, il y a une interface pas loin d'ici qu'on peut utiliser pour pirater le système. Skelv est notre meilleure hackeuse de système, Kert. Attends. Eh ! C'est là le panneau de service, je pense. Voilà, on l'a trouvé. Allez, vas-y, pirate. Exécution du programme de désactivation du champ électromagnétique en Gara. Activation de mon accélérateur de traitement. Patientez. Patientez encore un peu. Si patientez toujours. Fini de patienter. Ah, c'est joli. Dans le champ électromagnétique. Regardez, ça a marché. Ben oui, on est dedans. Titre. Oui, parce que c'est pas le tout d'entrée. C'est ça, c'est pas le tout d'entrée, faut ressortir après quand même. Hein. Et là, c'est pas la même. Bon, on va rentrer par là, les enfants, visiblement. Est-ce qu'on peut rentrer par ici? Il y a des... Putain, ça tire dehors. Attends, je peux... Ouais, attends, je scanne. J'avais pas scanné aujourd'hui quand même encore. T'es gentil, toi, mais... Allez. Sam, tant qu'on est là, je veux tout savoir sur cet endroit. Très bien, pionnière. Bon, c'est parti. Owen, Skaelv, couvrez-moi. Alors, du coup, on pète la porte par que j'ai scannée ou on fait quoi, là? Ouais, à mon avis, tu veux qu'on pète la porte? Ou tu veux qu'on rentre comment? Tu veux que je tire? Ah oui. Ah bah, exactement. Bon, bah voilà, bah... Ok, on est dedans. Titre à nouveau. Ah, c'est plus une ambiance dans Gara, là. Là, on est plus dans le pull, là. Là, on est dans la mécanique, hein. Alliage Kert, ça peut toujours servir. Oula, pardon. Mauvais clic. Attends, il y a des conteneurs, hein. Tu vas pas m'empêcher de looter. Hein. Je vais looter tout ce que je peux, hein, comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Et puis, on va vérifier avec le scan qu'on n'aurait pas de la petite technologie Kert qui traînaille dans le coin encore à prendre. Hop. Alors, par où tu veux qu'on passe, vieux? Parce qu'il n'y a pas de chemin par là. Attends, il y a deux objectifs sur la map, mais je sais pas ce que c'est. Le premier, c'est une lueur d'espoir entrée dans le complexe par le conduit d'aération. Et le deuxième, c'est ici, une lueur d'espoir infiltrer le complexe, Kert. D'accord. Alors, en fait, visiblement, il faut qu'on fasse demi-tour. Et il y a un conduit d'aération. Ben non, ben c'est là où on est, vieux... Ou alors ça c'était juste une cache, d'accord, hein, attends, il faut qu'on ressorte. On va ressortir du coup, visiblement. Ah oui, bah c'est là, ok. C'est pas le même, d'accord, il y en a deux. Ouais. Attends, parce que je vais pas gâcher mes munitions pour ça, à moins que je puisse même... Non, je peux pas. Et je peux attaquer... Merde, il n'y avait pas moyen de... Je sais plus comment je fais pour faire une attaque biotique. Là, comme ça. Voilà. Là, on va y arriver à force à avoir le gameplay dans la tête. Ne vous inquiétez pas. Enfin, dans les mains, plus que dans la tête, d'ailleurs. Yo-yo. Ouh, belle machine. Non, rien du tout. Si, là. Regardez ça. Et pourquoi je peux pas le scanner? Si je peux le scanner que d'un côté, c'est une technologie uniface. Ah oui. Non. Ah bah écoutez, lui, il a l'air de dire que c'est déjà scanné. Il dit que c'est à scanner, mais après, quand tu cliques, il a pas l'air d'accord. Bon, tant pis. Bon, préparez-vous, parce que je pense qu'on va rencontrer de la résistance, hein. Oh, regarde. C'est quoi ça, Hect? Ah mais direct, oui. Ah, vous êtes parti pied en tête, non, en fait. Pas qu'on soit là. Je parie que non plus, ils vont pas en revenir. Bah non, ça, ils en reviennent pas. Ok, on l'a eu, lui. Owen, à gauche. Ok, lui, on l'a eu. Raconte ça à mes frangins. Ils vont être sacrément fiers. Boum, je l'ai eu. C'est des Angara, tout ça?
Et dire que je fais ça au fusil à pompe de loin, vous voyez ? C'est quand même top cette affaire. Je suis l'Arconte. Non, non, t'es pas là, l'Arconte. Attends. Ce serait si bien, ce serait si simple que l'Arconte soit déjà là. Mais j'ai non. J'ai observé ces endroits de l'extérieur tellement de fois. Vous j'en les avez pas eu qu'on soit rentré. Ah, on est dedans, hein. Les effets personnels des nôtres sont là, abandonnés. Ceux des prisonniers ? Est-ce qu'on a le temps de... Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil ? Oui, oui, on va jeter un... T'inquiète, on va jeter un coup d'œil. Alors là, c'est fermé pour l'instant. Trouve une console Gert. Ouais, il nous faut une console Gert. Au cœur de ce complexe. Tout de suite. Attends, il y a un truc à scanner en bas, là. Bah non, il veut pas. Oh putain, le scanner est bugué, les enfants. J'ai plein de trucs à scanner, je peux pas les scanner. Ah, ça y est, je l'ai. Projection préenregistrée de l'Arconte, date d'enregistrement supposée, T50 sol. Mais... Des élus ? Carrément des élus ? Eh ben, dis donc. Ça me fait plaisir. Ah, on va tout ramasser. Il y a un autre conteneur là-bas. Hop. Par contre, si t'as une console pour ouvrir la porte au-dessus, ça m'arrangerait bien, hein. Cette porte est fermée et elle a l'air de rester fermée. Attendez, à moins que de l'autre côté là-bas on trouve de quoi ouvrir. Il y a une autre porte d'ailleurs ici qui elle aussi est fermée. Bon bah pour l'instant je crois qu'on fera pas mieux. Hop. Il y a quand même une dépouille encore à looter. Hop là c'est bon. Et du mastic, Kert. Parce qu'ils ont du mastic. Alors, viens voir ici un datapad. Traduit du Shelesh. Si quelqu'un trouve ce message, dites à ma famille que pour l'instant, je vais bien. On faisait des fouilles avec Benji et Stala quand ils nous ont capturés. Ils nous ont emmenés dans un centre de détention où ils nous ont scanné et fait passer une batterie de test. Sang, peau. Là, je suis avec de nouveaux prisonniers, dont la Moshae. On a pu discuter longuement, c'était incroyable. Ça m'attriste également de l'avoir ici, mais les cartes ont l'air de particulièrement bien la traiter. Dites à Jazel qu'il n'y est pour rien. Hein. Les risques encourus en valaient la peine. Gardez votre force et votre franchise. Signé MRH. Bon. On a fait tout le tour de la pièce. On est coincé. Commandant, c'est à toi que je dois parler, commandant. Commandant ou mon commandant. Approchez. Bon, je crois que c'est foutu pour l'effet de surprise. Ah bah c'est sûr, ils ont foncé dans le c'est tas. C'est vous qui avez la meilleure chance de trouver la Moshae. On va faire front et créer une diversion. Ouais, d'accord, ça paraît logique en même temps. Je fais le boulot et toi t'es de la chair à canon. Non, c'est bien. Ça marche. Je sens qu'on va se régaler. Mais bah bon appétit. Voilà l'entrée principale, on part par là. Enfoncez la porte. Gardez le contact radio et bonne chance. Ah là, hein ? Allez go. Donc en fait, la porte du bas c'est pour eux. Et nous, vous du coup, il va falloir qu'on passe à occuper les cartes par la porte du haut. Pionnière, le programme que j'ai utilisé pour percer le champ électromagnétique pourrait également causer une surcharge et permettre de détruire ce complexe. En revanche, l'impulsion serait mortelle pour la physiologie Angara. C'est problématique. Oui, on va mettre ce plan au placard pour l'instant. On peut pas aller là toujours. Ouais, ce serait con de faire des trous dans les pulls quand même, hein. Alors, pas tout de suite en tout cas. Allez, go. Attends. Oula, Sam, qu'est-ce qui se passe ? C'est un protocole de décontamination. La salle est verrouillée jusqu'à la fin du cycle. Mais tu me décontamines de quoi ? Ça ne me plaît pas du tout. Ouais, oui, je suis propre, hein. On casse la vitre ? Non. Il est impossible de briser cette vitre. Ah bon ? Ta gueule, c'est magique ? Ou ta gueule, c'est le scénario ? De quoi ? Bonne question. Je ne suis pas sûre de vouloir savoir. Bon, de toute façon, on est décontaminés, on est décontaminés. Pionnière, répondez ! Oui ? Comment ça va ? On est cachés et on voit certains des nôtres depuis notre position. Je crois qu'on est dans une zone réservée aux Kert. Pas de Moshae en vue. Compris. On discute de la suite des opérations. On vous tient au courant. T'es mort ! Ah ah, le Predator ! Ennemi d'Andromède !
Non, attends, nous on va fouiller au bout. Sachant que la porte là s'ouvre. Et que visiblement, celle-ci aussi s'ouvre et que c'est par là-bas qu'on doit aller, nous. Ah, on peut faire un tour de l'autre côté. Est-ce que la porte va s'ouvrir ici? Oui. Yo-yo! Oula. Je me trompe peut-être, mais ça ressemble à une salle de classe. On dirait, à ouais. À croire que le fait de se tenir devant la classe est universel. Bah oui, l'apprentissage, c'est bien. Contre le mur. On va le savoir. Un cocon, peut-être. Il s'agit de modules de stase. Module de stase. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous rassemblés comme ça? Peut-être qu'ils renvoient les Angaras chez eux. Ouais. Peut-être. Ou peut-être pas. Du module de stage, capsule d'origine carte, fonction inconnue, probablement médicale. Les données semblent indiquer une connexion à un système plus vaste. Présence d'empreintes génétiques, carte et Angara. Les composants utilisés sont identiques à ceux référencés dans les bases de données pour les opérations de stérilisation ou d'immunosuppression. Vous commencez à la venir venir? Pardon, vous commencez à la voir venir là? Hein? Les prédateurs. Les missions de reconnaissance préliminaires ont permis d'identifier les charillons comme espèces sélectionnées. Termine exact, voire adopté ou candidate pour l'exaltation. Nous avons construit un complexe à notre arrivée dans Eleus et entamé le long processus d'harmonisation avec le patrimoine génétique Kert. Capacité de camouflage obtenue de l'harmonisation avec les gènes, référence inconnue, en provenance de notre monde. Hypothèse, évaluation du niveau d'harmonisation requis pour une réussite parfaite. Allez savoir ce qu'ils font. Hein ? Enfin, on commence à le sentir, à comprendre. Hein. On prend tout ici. De l'alliage Kert, ça pourra servir pour leur programme de... Hein ? Pour leurs améliorations scientifiques de leur technologie à eux. On a fait le datapad là, on n'a pas fait celui-là. Vas-y. Hop, laquelle de ces étapes est la plus importante pour les élus? Il s'agit donc d'un quiz. Laquelle est la plus importante pour l'Archonte, pour tous les Kert et pour vous? À quel moment votre but est-il atteint? Votre devoir accompli? La douleur est une preuve d'harmonie. Est-ce vrai? Expliquez votre raisonnement. Putain, c'est des dissertes. Ils ont chopé des dissertes à faire pendant les vacances. C'est des cotons, hein, celle-là. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Alors, attends. On va aller faire la salle de classe de l'autre côté. On a bien compris que la pièce principale pour nous, c'est celle qui est là à droite. Mais on va aller à l'autre bout d'abord. Yo-yo! Bonjour! Y'a quelqu'un? Où est-ce qu'ils sont tous passés? Restez sur vos gardes. Ah bah là, on est à l'étude. C'est cool. Tu vois, ou au CDI. Ils dorment tous ici. C'est une sorte de dortoir. Ah, le pensionnat. On retourne tout, Jal? Je ne sais pas ce que ça veut... Ah pardon, je t'ai coupé. Dire, mais ça ne me paraît pas assez violent. Alors. Lieu de rassemblement probable. Grâce à l'exaltation, nous renaissons pour suivre la voie de l'harmonie parfaite. Et oui, nous renaissons. Casier personnel potentiel. Bon bah ça fait de la donnée, attends y'en a un autre. Donnée, vas-y, donne-moi de la donnée. Du couchette potentielle, matière fibreuse et organique. Ok. Salutations favorables, préfet Zgz. Bien que le froid et le confinement me soient pénibles, je vous suis reconnaissant de pouvoir mener mes recherches à bien. La vraie difficulté pour moi réside dans le décryptage de la séquence électrovoltaïque intermédiaire, terme inexact, voire de culture ou de fécondation. J'ai eu vent d'opportunités sur Verrakhan. Pour étudier l'harmonisation d'extraction. Termine exact, voire d'annexion. Pour notre empire. Ah oui, cela me donne la motivation de persévérer. Et persévère. Destiné Ptepuktuk, vous avez accompli la tâche pour laquelle vous aviez rejoint Eleus. J'en attends désormais plus de votre part. Hommage et félicitations. Un jour, vous poursuivrez votre exaltation. Signé l'Archonte. Oh putain, il a eu un mot de félicitation de l'Archonte en personne. Attention, ça c'est un bon élève, ça. Hein. Ça, c'est un très très bon élève. Message pour la basquerte. Bienfaitrice, et j'ai eu vent de votre réussite sur... Termine exact. Eos. Je vous remercie de m'avoir suggéré un transfert vers cet endroit, c'était une excellente idée. Hein, il y a énormément à apprendre, ce serait un plaisir de vous revoir. Peut-être accepterez-vous de me laisser vous présenter mon monde, comme vous m'avez montré le vôtre, harmonieusement. C'est des métaphores sexuelles, je te montre ton zigouigoui si tu montes ta zigounette, c'est ça, c'est l'idée. Bon, allons-y. Bonjour! Yo-yo! On se débarrasse vite fait de cela! Voilà! Entendu! Vite c'est fait, parti. Hein! Tu sais ce que ça veut dire, vite fait? Ça veut dire que. Voilà! Ouais, mais il était à moi! Non, mais c'est bon, Cora! Regarde! Pouf! Un petit coup de tir percussif et tu me l'achèves et puis c'est bon! Vas-y, il en reste un! Attends! Boum! Faut que je m'habitue à tirer en l'air!
Ok, c'est fait. Tiens, là, ça nous en a touché une sans faire bouger l'autre. Même pas un petit bout de... Même pas un petit frémissement du bouclier ou presque, hein. Il n'y a rien à fouiller sur les dépouilles, par contre. Destinée carte, classification Igmi, origine Andromède, commandant supérieur carte qui déploie un écran de fumée pour handicaper ses adversaires et abriter ses troupes. Hélas, qu'est-ce que c'est, les enfants? Oh, l'Arconte, il est devant nous! Il est là, il est grand, il est beau! Il faut qu'on avance. Attends! Bah. Ouais, je vais jeter un œil à la console. Et là, attention à ce que vous allez découvrir, hein. Eh, hey, tu as commencé à te rendre compte. Bonjour. Soyez les bienvenus. Avancez. Ah, le cardinal. Je savais bien qu'il y avait une histoire de cardinal. J'en avais parlé, j'avais confondu avec l'Arconte. Ici, devant vous, les élus. Choisis par l'Arconte. Choisis pour être exalté. Choisis pour être exalté. Allez, rentrez là-dedans, les Angara. Pourquoi ils ne disent rien? C'est assez étrange, ouais. On dirait une sorte de rituel. Les Angara sont en transe. Clairement. La Moshae n'y est pas. Je l'aurais vue. Peut-être dans une de ces capsules. On n'a pas de meilleure piste. Vous vouliez une diversion? Le spectacle vient de commencer. Ouais. Envoyez la pub. Impossible. Ah si si, c'est possible. Ah, coucou chef. Arconte. Expliquez-vous. Oh là, il est fâché. Nous sommes attaqués. Je défendrai le temple jusqu'à... Attendez. La Moshae est parmi eux? Non. Elle attend l'exaltation finale. Dans ce cas, amenez-la moi immédiatement. Mais elle est pas prête. L'exaltation finale, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'on sauve tous les Angara. Non, non, tu te calmes, tu te concentres. C'est notre priorité. Votre priorité? Mon vaisseau, mon équipage, mes priorités, c'est tout. Première tension. Et elles sont pas sexuelles, ces tensions-là. Elle les a appelées les élus. Élus pour quoi, au juste? Jal, vous croyez qu'ils sont là par choix? Non, bien sûr que non. Je ne sais pas ce qui se passe non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on sorte la Moshae d'ici. Ok, allons-y les enfants. On va sortir la moche. Il y a encore une salle de classe. Si vous arrivez à accéder à une borne, je téléchargerai le registre de ce houlou. Ah bah vas-y, ouais, envoie. Oui. Il ne manque pas d'amour propre, cet Arconte. Tu m'étonnes. C'est révoltant. Ça montre ce qui compte pour lui. L'apparence. Téléchargement terminé. L'analyse risque de prendre un peu de temps. Ouais, ben vas-y. Mais enfin, pas trop quand même, hein. Ah, attends, c'est par là-haut, nous, mais il y a une porte là-bas. On va quand même aller là. Ah non, c'est une fausse porte. Elle s'ouvre pas, elle est pas verrouillée non plus. Hop. Grimpons l'escalier, hop. Hop, 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 hop. Sur le côté. Comment ils sont entrés? Protégez les élus. Protégez les élus. Les élus. La ouais, tu vois. Hâte d'entrer en scène. Mais merde, on est là. Attends, il y a un conteneur. Comment je rentre, moi, après? Par là? Je peux pas rentrer, moi, puis c'est des vides qu'on pète pas, ça. Comment tu veux que je fasse? Ah, mais on a contourné la porte. Écoute. On a contacté le commandant Doxil. D'autres soldats vont venir en renfort. Envoyez des scientifiques aussi. Et... Ouais. Des techniciens. Et les scientifiques, oui, surtout. Un maximum de données. Entendu. Putain, il y a des munitions Jal, tous les 3 mètres, mais... Notre objectif reste la Moshae. Bien sûr. Mais on ne peut pas laisser passer cette occasion. Non, on est d'accord.
Faut leur niquer la gueule, ok, pas de soucis, mais quand même. Boum. Vas-y, le consacré, relève ta gueule. Relève-toi, le consacré. Relève-toi, le consacré. Le consacré en deux mots, il est mort, il est mort. Il y en a derrière moi ou quoi? Je vois les capsules. Au-dessus de nous. Oui, non, alors le loot pendant le combat, c'est pas ça, hein. On doit pouvoir le contourner. Poum. On a qu'à voilà. Notre chemin. Des volontaires. Ça, c'est fait. Cora, je préfère leur tirer dessus d'abord. C'est très bien, moi je suis d'accord. On leur tire dessus et on se démerde après sans GPS. À partir du moment où on n'est pas pressé, on n'a pas besoin du GPS, c'est bon. Allez, ça c'est bon. Ah, ah. Dans ta face, le consacré. C'est bien. Il est où l'autre? Il a eu Cora? Bizarre. Vraiment bizarre. On a trouvé une salle remplie de prisonniers qui avaient l'air d'être en transe. On n'a pas pu les convaincre d'évacuer, donc on a dû les laisser. Bah, ils sont endoctrinés, qu'est-ce que tu veux? Fermé. Sam, du nouveau sur le fonctionnement de cet endroit? Mes recherches avancent, pionnière. Mais les Angara n'avaient aucune information sur ce complexe. Dois-je revoir mes priorités? Êtes-vous en danger? On s'en sort, Sam. Non, pour l'instant, ça va. J'ai même le temps de scanner autour de moi, si tu veux, donc c'est que ça va. Ah, du vilain, du vilain, du vilain, du vilain. Poum. Et repoum. Oh, t'as survécu. Et là, t'es mort. Vous avez la bestiole ou vous avez besoin d'aide? J'ai besoin d'aide. Allez. Oh, tu m'as fait peur, Jal. J'ai cru que t'étais un vilain, toi. Allez, go, 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 go. Du coup, a priori, je pense qu'il faut passer par là-bas. Poum. Et du coup, c'est sûrement par là. On se rapproche, je le sens. C'est le même genre de technologie de bouclier. Je peux la contourner. La sécurité est vraiment excessive. Il doit y avoir une bonne raison. Voilà. J'y arrive pas avec le corps à corps. J'ai pas le réflexe du Y, hein. Ah, un truc, mais c'est pas à scanner par ici. Hop. Je vais couper le machin, on rentre. Yo-yo. Mais combien il y en a? Beaucoup. Pendant tout ce temps, tous ces prisonniers. On peut lancer une recherche. Et vite. Aha. Du-du-du. Femelle Angara, en bonne santé, 176 cm. Aucun signe de grossesse, présente ou passée. Ça fait beaucoup de centimètres, ça, quand même, hein. Mâle Angara, 35 ans environ, 191 cm. Tissu cicatriciel sur la partie inférieure droite de l'abdomen. Ah, il a eu l'appendicite. Pas la oh, c'est pas la moche, non? Mâle Angara, 95 ans environ. Ah ouais? Bonne santé. Nombreuses traces de fractures anciennes. C'est à ça qu'on se résume. Pour les Kertes, on dirait bien. Personne qui lui corresponde. Ryder, si vous trouvez une console, je tâcherai d'y accéder. Oui, parce qu'elle a pas l'air d'être par là, la moche, hein. Bon. Ça vibre, la console, c'est là. Tac. Ok, Terminal Kert, voyons un peu ce que tu caches. Sam? Recherche en cours. Les élus sont enregistrés par information génétique. Fais vite, s'il te plaît. J'opère à vitesse maximale dans une langue et une technologie alien. En comparant les données avec les bases de données Angara. On s'en fout, comment tu fais? Et sa capsule a été déplacée il y a quelques instants. Où est-ce qu'ils l'ont emmené? Les capsules peuvent être transférées à des pièces qui entourent ce noyau. Ok, on y va. Bah, ça s'ouvre devant nous, voilà, direct. Allez. La moche, t'es où? Veux-tu aller à la moche? J'écoute. Nos renforts arrivent. On retourne au point de ralliement. On tient une piste pour la Moshae. On pense qu'elle est en vie. Par les étoiles. Excellente nouvelle. On vous recontacte. Voilà. FBI, levez les mains. C'est par ici, hein. Attends.
J'ai quand même allé vérifier. Est-ce que la porte ici, elle s'ouvre? Ouais, elle s'ouvre encore ici. Bonjour! Parce qu'il y aura un petit conteneur. Voilà. Yes. La plus étrange de toutes, c'est glauque. Drôle d'appareillage, en effet. Oh. Du appareil d'éjection. C'est inquiétant, effectivement. On dirait qu'ils veulent coller leur ADN dans tout ça. Mais si tu veux coller ton ADN dans quelque chose, faut faire un gosse, quoi. Ça sert à ça, c'est du transmission d'ADN. Yo-yo. Protocole de décontamination à terre. De décontamination, rien. Sam, tu peux faire quelque chose pour nous aider? J'y travaille. J'y fais. La Moshae! Ouh la vache! Ah! Ok! Oh putain! Processus de kertisation. Bonjour. La kertoshae, ça s'appelle maintenant. Non, mais Jaja, reviens ici. Non, attendez. On doit sauver les Angara. Ne le tuez pas. Jal, il nous tire dessus. Ce n'est pas sa faute, Jal. Ce sont les Kert qui l'ont transformé. Monstre. Fermé. Votre heure a sonné. Jal, restez oui, concentré. Oui, non. Jajal, du calme. Bon, on les a tous eus. Voilà, on les a tous eus. Mais c'était quoi ce bordel? Ça, c'est pas bon. Pas bon du tout. J'en ai vu des saloperies. Mais là, c'est d'un autre niveau. Manipulation génétique, qu'est-ce que tu veux faire? C'est non, mais c'est la carte à Chahé, là, c'est pas la peine, Jal, c'est fini. Jal. C'est mon peuple. Ben oui. La Moshae. Il y a d'autres pièces. Je continue les recherches. C'était pas il la moche, ça? La trouve. Ça, c'était pas... Mais j'ai cru que c'était la moche, moi. C'est nous. Non, c'est plus toi, ouais. Ça. Combien j'en ai tué sans savoir? Ryder. Je n'en savais rien. Mais non, mais tu pouvais rien savoir. Et de toute façon, une fois qu'ils sont transformés, c'est plus les tiens, quoi. N'imagine pas que... Non, ils hésiteront pas à te tuer. Tu peux rien y faire, vieux. Jal, ce sont les Kert, les coupables. Ça ne me réconforte pas. Non, mais ça peut motiver la résistance. Peut-être. Ryder, Jal, je l'ai trouvé, en bas. On arrive. Allez, go. Allez. Allons secourir la moche. Ah non, tu fais pas la même avec la moche, hein. Non. Sam, eh, oh, dépêche-toi, ouvre la porte. Il t'a dit que tu pouvais pas péter la vitre, écoute, donc ça sert à rien. Reste ici, le cardinal. Boum. Elle tient, la Moshae. Moshae, je sais pas. On vient vous chercher. Ok, ils sont morts, c'est bon. Attends, je loot quand même, hein. Pas déconner. Je vais pas m'arrêter de looter pour la moche, quand même. On arrive. La moche, t'es où?
Ouvre la porte. Qu'est-ce que c'est? C'est là. L'ascenseur. Vas-y, fais péter. Sam, du nouveau? Probablement à la zone de lancement de la navette à l'étage. J'ai réussi à accéder au plan du complexe au dernier terminal. C'est beau. Le petit effet là, c'était sympa comme tout. Ok. Reviens ici, il y a le cardinal! La voilà! Je la vois! Il s'apprête à partir! Tenez bon, Moshe et Shifa, on arrive! On ne l'aurait pas! Vous nous sous-estimez! Attends, le noyau là! Faut qu'il pète le noyau là! Faut l'avoir! Voilà! Fais-moi le malin, le cardinal là! Attends, il est où ce con? Allô, allô! Ah, l'autre! L'autre, il croyait qu'il allait m'avoir! Attends! Paf! Dans ta face! Oui, attends, j'attends que ça se remette! T'inquiète! Ah merde, ça me tire dessus de l'autre côté aussi, là! Putain! Jusqu'à la mort, enfin peut-être pas trop, pas moi, hein. Vous allez devoir me passer sur le corps. Bon bah faut pas me le dire deux fois, hein. C'est mon bouclier est revenu, coco, hein. Il est où ce con? Là, sur l'orbe. Voilà, vous pétez l'orbe. Voilà. Putain, avant qu'il régénère, vite. On te demande pas de céder, on te demande de crever. De nouveau l'orbe. Ah putain, ça m'énerve quand ça se baisse comme ça. Toi t'es mort. Allez, regarde-moi ça. Bon, allez. On prend ce qu'on veut. Attends, le machin, il retourne là! Ah, il m'énerve! Oh putain, il balance des machins maintenant aussi, ce con! C'est bon, on l'a eu! Allez, le cardinal, tu crèves! Pas déconner quand même! Attends, je vais looter le cardinal! Putain! T'es mort, toi! T'es mort, j'ai dit! Ok, c'est bon, c'est fini. Il est tout cramé, le cardinal. Hein. Alors, un petit coup de scanette, peut-être. Je ne sais pas. Un produit intéressant, une promo. Regarde, le cardinal. Ah, classification Andromède. Le maître de guerre Kert qui peut s'élever au-dessus de la mêlée pour obtenir un avantage stratégique. L'ancien dispo... non, c'est un ancien. Mais je l'avais pas scanné, l'ancien. Il est où, le cardinal? Bon, bah écoutez, allons d'abord. Looton. Allons chercher la moche. Hé, hey, la moche! Attends, il y a un container d'abord. C'est la plus important. La moche, ça va? Ça va aller. On va vous sortir d'ici. Personne n'est jamais revenu de chez les Kert. Oui, bah je suis nouvelle, moi. Alors moi, je connais pas les règles, donc t'inquiète. Il faut toujours une première à tout. Je connais pas encore les règles. Bref, l'alerte a été donnée. Il faut qu'on parte, tout de suite. Je ne suis pas la seule ici. Ils ont enlevé tout le groupe. Elle va mal. Son système immunitaire a été anéanti. C'est normal, c'est pour implanter celui des guettes. Enfin, des cartes. Alors voilà, lui! Ah putain! Elle est pour l'Arconte et personne d'autre. Mon cul, ouais! Balle dans la tête! Vas-y, Cora! Bon! Elle vient avec nous, c'est tout. Attendez. Pourquoi l'Arconte? Pauvres ignorants. C'est un cadeau. Qui êtes-vous pour vous y opposer? Vous les changez en monstres qui s'en prennent à leurs semblables. Ces élus se destinent à un avenir glorieux qui dépasse votre entendement borné. Comme eux, j'étais misérable autrefois. Désormais, l'ADN exalté du Grand Archonte est lié au mien. Je repose sur les épaules de sa grandeur. Tout comme eux. Et comme vous, un jour. Ouais, bah tu nous sous-estimes, hein. On n'a pas envie de finir comme toi, Coco. Ce n'est pas pour ça qu'on a traversé l'abîme.
Pionnière, je détecte plusieurs croiseurs Kert en approche. Vous serez tous exaltés. Ouais. Sam, il y a un interrupteur pour ce palais de l'horreur. J'ai accès au champ électromagnétique. Je peux le surcharger. Surcharge-moi ça. Il faut d'abord qu'on évacue nos frères. Tes frères sont perdus, Coco. On n'a pas le temps d'aider tous ces Angaras à sortir. Il y a des centaines de capsules. Attendez. Laissez mon temple sacré intact et j'ouvrirai les capsules des élus. Emmenez-les, mais ne touchez pas à ce lieu saint. Non. Même si je meurs ici, il faut détruire cet endroit. Ouais, mamé. On pourra revenir le détruire. Libérons d'abord cela. Si votre plan échoue, les Kert reviendront aussi vite. C'est pas faux. Elle a raison. Sauf votre respect, nos compatriotes sont là aussi. Nos soldats, nos scientifiques, notre force. Ah putain, il a raison aussi. Ah, fais chier. Oh putain, il est complexe celui-là. Le problème, c'est que l'autre, il m'a demandé de la sauver, mais si jamais il apprend que j'ai tout fait péter sans essayer de sauver son peuple, je pense qu'il va faire la gueule, le chef. Donc si on veut pas avoir de mauvaises relations avec tout de suite, bon, le complexe, on a été capable de venir, on est capable de revenir, c'est pas un problème, on va sauver les Angaras. Allez. D'accord. Libérez les Angaras en bas. Activez l'arrêt d'urgence. Libérez tous les élus. Jal, veillez à ce que la résistance en libère un maximum avant l'arrivée des Kert. D'accord. Et merci. Ouais, de rien. Je vous remercie, moi aussi. Je vois que vous commencez à comprendre l'importance des guerres. Vous vous trompez. Ouais, non, tu dégages, toi. Non, mais saloperie, j'ai pas fait ça pour toi, espèce elle de con. Méritait bien pire. Oui, bah, on fait ce qu'on peut, hein. On a la Moshae. Direction le toit pour l'extraction. Voilà, extraction mode. Allez, hop, hop, hop. Voilà les guerres. Ils ne nous laisseront pas partir sans se battre. Je ne sais vraiment pas comment ça va finir. Mal. Je vais ça finit venez, toujours mal, de toute façon, de ces histoires-là. Non, bon. Allez. Allez, le consacré, t'es cuit. Ok. On est super mobile. Le meilleur moyen dans ces cas-là, c'est d'être super mobile. Ah oui, pardon. Là, attends, moi aussi, je peux faire la même. Poum. Allez, c'est bon. Il y en a encore un par là, je l'ai vu. Oh bah non, bah Quora est passé ici. Ouais, c'est super, grimper sur la plateforme. Attends, c'est où qu'on va? Putain, la momoche. Avance, la moche. Un petit scan. Comment ça? Voilà. Tu peux me remplir mes munitions, s'il te plaît? Ah, c'est bon, on est déjà plein. Ah, on est déjà plein, là. Entrez. Gagnère, répondez. Vous avez la moche à aller. Oui, on a la moche. Perfect. Faites sortir nos hommes avant l'arrivée des renforts. Autant que vous pouvez. Je m'en occupe, mais je pense qu'on devrait détruire cet endroit tant qu'on est là. Wow, attention! Y'a des vilains? Ah ouais. Ah tiens, un vilain en moins. Attention, y'a un deuxième vilain. Dépêchez-vous ou vous allez nous ramener dans des sacs mortuaires. Y'a surtout une grosse bestiole là-bas. Approchez-vous du bord du toit, on va se débrouiller. Ah tiens, le colosse, vous voulez lui péter la gueule, c'est bon. Surdimensionné. Il est tout prêt. Trop prêt. Non, t'inquiète. Ça le fait. Venez nous chercher. On est prêt pour l'extraction. On arrive. Regarde. Ah oui, pétard. Alors, c'est tout. Faut tirer fort dessus. Mais quand tu tires fort dessus, ça va. C'est bon. Ah, y'a lui là. Y'a lui. Ça va, Jajal, là, t'es bon, tu veux de l'aide? Compris. Ouais, non, là, faudra faire un truc par contre. Vite. Ok, on atteint la navette. On atteint la navette, on arrive. J'avais pas vu qu'il fallait se barrer. Jajal, faites la montée dans la navette, maintenant. Vite. Unité de la résistance, répondez. On arrive. On est dans les temps. Évacuez votre équipe avant que les cartes. Vous en faites pas, on gère. J'irai bien, hein.
Attention. Boum. Ou pas. Bon, eh ben ça c'est fait. Fou. On a bien bossé.